Salut tout le monde, bienvenue dans une autre vidéo sur le week-end des chasseurs de chars en spécial sur Armor Warfare. Fait que je vais vous en présenter un autre tout de suite. C'est le AMX 10P Pack 90. C'est simple, le AMX, c'est une version beaucoup améliorée du AMX 10. Parce que le AMX 10P existe pour vrai. Il ressemble à ça, qui est quand même sensiblement le même tank. Comme vous pouvez voir, sauf la différence, c'est qu'ici, si je me rappelle bien, attends, le canon, c'est un combien? C'est ça, c'est un 20, il y a un canon de 20 mm à tir rapide. Que, tu sais, comme vous voyez, il y a la, tu sais, c'est ça qu'il est équipé de ça. Puis, tu sais, il y a quelques modifications. Entre les deux tanks. Fait que moi, celui que je vais vous parler, c'est le 10P Pack 90. Avec une roue. Ils ont rajouté une tourelle de char d'assaut conventionnel avec un canon de 90 mm. Bon, ouais, puis ici, la chose ici, je sais pas qui sort le bouclier, est un peu plus large aussi sur le AMX 10P. Fait que c'est ça, ils ont rajouté une tourelle conventionnelle avec un canon de 90. Not too bad. Dans la vraie vie, quand c'est sorti, là aujourd'hui il est considéré comme obsolète comme chasseur de char pour faire affaire avec des tanks encore plus récents. Mais ça dépend encore avec quoi qu'il fait face. Mais quand c'est sorti, ça passait pour un chasseur de char assez redoutable. Parce qu'il y a quand même un canon de 90 là-dessus. Les Français ont quand même de très très bons canons quand même. Hein? C'est pas à négliger. Fait que moi je l'ai camouflé aussi. But du chasseur de char, c'est de le camoufler. Fait qu'on a. Comme vous pouvez voir, on va sauter au détail tout de suite. Bah! On va comparer avec son cousin ici, savoir s'il y a eu des bonnes améliorations ou pas. On va quand même le comparer. Bon. Bon. Comme vous pouvez voir, on a droit à un canon qui est de 90 mm. Le modèle, c'est le M669. Puis, avec les lettres, là, je ne le prononcerai pas complet. Fait que on peut faire 311 de dégâts. Oui, point de tir 4, c'est excellent. Puis même on peut atteindre le 400 de dégâts avec ce tank-là. Surtout avec les obus à charge creuse explosive pour anti-char, là. C'est un bon mélange. Il fait beaucoup de dégâts. C'est vraiment une de ses forces. Je trouve qu'il a une bonne puissance de feu quand même. Pour un tier 4, là, c'est surprenant quand même. Il perce 235 mm de, il y a 235 mm de pénétration. C'est quand même bon, quand même. Parce qu'il y a beaucoup de tanks de tier 4. Puis même 5. On va devoir un tier 5. Bon, tier 5. Ok, ben, c'est sûr que le Chief Tank, ça c'est peut-être pas. Un bon exemple trop, là, parce que ça a passé pour un des tanks les plus blindés au monde. Mais mettons contre un Léopard. Contre un Léopard 1, vous voyez, 70 mm en avant, j'en perce 311. J'en perce 235, excusez. Fait que vous voyez, c'est une arme. Il est quand même redoutable. C'est pas là. C'est pas à négliger. C'est vraiment pas un chasseur de char à négliger tant que ça. Parce que vous voyez, sur un Léopard 1A5, je peux faire beaucoup de dégâts. Il y a avec le Chief Tank, par contre. Lui, il serait plus dur à percer un petit peu. Ouais. Ouais. Je dis pas que je serais pas capable de le percer, mais bon, devant, il va falloir que je m'y prenne très bien. Ça aussi. Ça dépend toujours de la forme du tank aussi en avant, hein, parce que des fois, la façon que le blindage est positionné sur le tank, ça peut faire aussi toute une différence. Mais c'est quand même
Il est quand même redoutable de ce côté-là. Ça, on peut pas le nier. Hein? Fait que, bon, dégâts par minute 2400, 4211. Ouais, ça fait pas mal de dégâts, je peux vous le dire par expérience, pour l'avoir utilisé beaucoup de fois. Il fait pas mal de dégâts. Rechargement 4,44 secondes. Wouhou! Moi, je trouve que c'est excellent, ça. Un gros point fort aussi. Parce qu'il y a une cadence de tir inouïe pour la grosseur qu'il y a. Il y a 1000 points de vie. Il y a un peu plus de points de vie que son prédécesseur, ben, avec le modèle de base, le modèle stock, là. Il y a un peu plus de points de vie. Mais si on compare, mettons, avec les deux, c'est sensiblement pas mal la même affaire. Moi, il me ferait la tourelle 25. Ouais, mais essayer de pogner la tourelle après ce truc-là, c'est pas évident. OK? Fait que, OK. Côté blindage, c'est la même chose. Ça n'a pas évolué sur cette version-là comparé au 10P. Fait que, en avant, on a le droit à 48 mm de blindage. Pas énorme. Sur les côtés, 15. En arrière, 15. Puis, ce côté-ci aussi, 15. Fait que 15 mm, là, c'est pas énorme. Fait que, faut vraiment vous camoufler, vous positionner de bonne façon parce que vous allez manger des coups, il sera pas tard, vous allez subir beaucoup de dégâts. Même chose pour la tourelle. La tourelle, elle est pas terriblement blindée. 15 en avant. Ici. 15, 12 sur les côtés. Et 10 en arrière. Ça, c'est un gros moins parce que quand je joue avec ce chasseur de char-là, puis je me fais pogner, ça arrive souvent aussi que je vais me faire pogner, que ma tourelle va être endommagée. Fait que je vous conseille, tu sais, de vous arranger pour manger le moins de dégâts possible sur votre tourelle. Parce que c'est assez important la tourelle quand même sur un chasseur de char, sans être endommagée, elle tourne plus lentement. Tu sais? Fait que, protégez votre tourelle, parce qu'elle est vraiment pas blindée, cette tourelle-là. Bon, ouais, j'avais mis un peu n'importe quoi à l'époque, là. Bon, de toute façon, ils sont tous niveau 5. Je vais juste modifier de quoi, ça sera pas long. Bon, excusez, je vais modifier de quoi. Bon, c'est ça. Bon, la mobilité est quand même pas si pire. Mais c'est pas sa force trop à mobilité tant que ça. C'est une de ses forces, mais ça pourrait être mieux parce que. Ok, la vitesse maximum qui est de 67,47 km/h, c'est quand même assez bien pour un véhicule sur chenille. Ça bouge quand même assez vite pour un véhicule sur chenille. Parce qu'on peut pas comparer ça non plus nécessairement avec un véhicule sur roue parce que c'est un des seuls chasseurs de char premium qui est sur chenille. Le deuxième chasseur de char, c'est le Typhoon 2. J'ai fait une vidéo précédemment, il y a quelques temps, sur le Typhoon 2. Lui, il est sur chenille aussi, puis il bouge quand même assez vite. Fait que, c'est ça. 3,19 secondes pour de 0 à 32. C'est quand même très bien pour un véhicule sur chenille. Il bouge quand même assez vite. La vitesse de rotation du châssis. 33,35 degrés à la seconde. Ouf! Ça, c'est un petit peu pauvre de ce côté-là, je trouve. Parce que, personnellement, un chasseur de char, faut qu'il bouge vite. Faut qu'il soit capable de faire des rotations vite sur lui-même pour mieux se placer. Fait que ça, c'est un gros. Moi, j'appelle ça un moins. C'est pas ce que j'avais. C'est pas ce que j'avais de mieux. Donc ça pourrait être mieux de ce côté-là pour la vitesse de rotation du châssis. C'est pas la meilleure vitesse de rotation. Hein? Fait que, ça, c'est un moins pour moi. Le camouflage, il est excellent. La preuve, je suis camouflé présentement. Fait que, comme vous pouvez voir, on va attendre une minute. On va juste ôter ça. Bon.
Je suis camouflé, fait que les ennemis ont plus de difficultés à me détecter, à me trouver. C'est le but du chasseur de char aussi en général. C'est de se cacher. La portée visuelle, ouh, chiche. 450 mètres, voilà. C'est assez pauvre. Tu sais, si on regarde, mettons, lui ici, qui est à 497 mètres pour un tiers 5, fait que c'est assez pauvre. C'est pas. Moi, un chasseur de char, faut qu'il y ait une portée au moins de minimum de 500 mètres. Parce que le but, c'est de pogner l'ennemi par surprise. Ça, c'est pour le pogner par surprise, il faut le détecter avant que lui nous détecte. Que plus on peut le détecter à longue distance, mieux on peut se préparer pour le pogner. Fait que 450 mètres, je trouve pas que c'est une très bonne, si bonne portée que ça pour un chasseur de char. Bon, c'est mon opinion. Il y en a qui peuvent dire autre chose. Le ciblage. Le canon, par contre, on a moins 10 vers le bas, moins 10 vers le haut. Ça, c'est génial pour ce chasseur de char-là. Fait que pour embusquer, là, on a quand même un peu de marge de manœuvre avec le canon. On a quand même de la marge de manœuvre. C'est excellent pour ça. C'est un de ces gros points forts que j'ai trouvé quand je l'ai acheté, ce chasseur de char-là. Puis il est en spécial présentement aussi à 30% de rabais. Ça, il vaut vraiment, je vous le dis, il vaut la peine d'être acheté, lui. Pour un tiers 4, là, il vaut vraiment la peine d'être acheté. Vitesse de visée de 2,43 secondes, quand même assez excellent pour ce chasseur-là. Moi, je trouve que c'est une très bonne vitesse de visée. Il vise très vite. Puis la tourelle, c'est une de ses forces, elle tourne à 63,75 degrés à la seconde. Ça veut dire que la tourelle tourne quand même très vite. Fait que c'est ça, au lieu de compter sur la vitesse de rotation du châssis, avec un chasseur de char-là, il va falloir compter beaucoup avec votre tourelle. Parce que la tourelle tourne extrêmement vite, c'est une bonne force. Fait que, tu sais, profitez de cette force-là, de cette tank-là, que la tourelle tourne très vite. Fait qu'on peut, avec la tourelle, on peut se positionner très rapidement à cette vitesse de rotation-là. Fait que c'est ça. On va aller faire un petit combat pour vous montrer comment que le AMX 10P Pack 90 se débrouille. Comme vous avez pu voir, j'ai mis de l'optique de plus, 30 mètres de plus, je suis rendu à 470 mètres. Mais c'est pas ultra génial, génial. Bon, c'est quoi cette mission-là? Oh, parfait, on l'a fait. Ouais, c'est. Bon, c'est pas pire, on a du tiers 5 comme top tiers. Je suis le tiers 4, je suis entre les deux. Parce qu'on a deux tiers 3 aussi. C'est parfait, ça va être une bonne game. Bon, on y va, c'est parti, mon kiki. Ah, on est sûr de gagner, on a un Chief Tank avec nous autres. Bah bon, ok, j'ai mon camouflage de forêt là, j'avoue, j'ai pas acheté de camouflage d'hiver. Mais c'est pas grave. Il est cool quand même. Regardez-moi l'accélération, hein? C'est pas long que ça accélère. Voici le
Et que ça break aussi. Ah, y'en a un. Cible détruite. Ennemi détruit. Hostile, tank. Comme vous avez pu voir, il y a une bonne. Y a un bon fire rate, une bonne cadence de tir. Puis en plus, il fait pas mal de dégâts. Comme vous pouvez voir, très rapide. Ça niaise pas ce truc-là. Ça, faut pas non plus manger trop de coups, là. J'en ai mangé un. Puis. Ça, le petit bruit qu'on vient d'entendre, ça, c'est parce que j'étais en train de faire une mise à jour en même temps. Sur quelque chose, puis là ça vient de me dire que c'est fini. Non, 284, c'est sûr, je l'ai mal poigné un peu. Barré! Oh non, non. Chargement, hit! Obus prêt! Hostile détruit! Oh! Là, je l'ai pas poigné vraiment, j'ai fait des dégâts avec le petit cochonnet, mais là, pour aller détruire le centre de commandement, je vais prendre un petit raccourci. Ça me tente pas de me taper du chemin, c'est pas rien. Ce chasseur de char là, c'est qu'on peut. Il est très bon comme sniper. Puis on peut jouer aussi de façon comme jouer un peu plus agressif. Identification. Hostile tank! Non. Type 80. Seigneur. Là, je suis un peu mal pris. Là, il me vise en plus là. Identification. Hostile tank. Pourvoyeur. 416, hein. Là, il m'a bien pogné aussi, par contre. Chargement, hit. J'ai détruit un module. Pourvoyeur, hit. C'est gauche, né. Là, j'ai mal pogné. Oh merde. Et voilà, j'en suis quand même venu à bout. Fait que c'est. Identification. Hostile tank. Pourvoyeur, hit. Fait que là, je joue un peu trop agressif par contre. Là, on va voir que je me calme un peu. Cible détruite. Pourvoyeur, hit. Allez là-bas. Chargement, hit. Ils ont bien touché. Ah, d'arrêt. Chargement, hit. Ah ben là je suis mort, c'est ça, j'ai joué un peu trop agressif là. Mais ouais, disons que l'équipe arrive un petit peu tard, si on peut dire là. Tu sais, le M60 là. Et ouais, il fait pas grand chose le M60 là. Oh mon dieu, 380 dégâts. Hey, bouge ton cul! Oh wow! Fait que regardez, c'est un autre exemple d'un joueur stupide.
fais absolument rien ou à peu près rien, puis c'est correct comme ça. C'est vraiment correct comme ça. Ouais, vraiment, un M60, c'est. Ouais, regarde. Pas terrible. Le léopard fait mieux que lui. LOL M60. Ben. Moi, c'est ce que j'ai eu dans un, c'est quand on poigne un joueur là, qui est un boulet là. Mais ça, c'est un boulet. Il a rien fait, ou pratiquement rien. Tiré quelques coups de feu, il a à peine. Je suis même pas sûr s'il a franchi le cap des 2500 de dommages. Bon, voyons voir des résultats. Tu vois, avec un compte premium, j'aurais fait 107 000 $, ce qui est quand même très bon. J'en ai fait 71 000 seulement. Là, comme vous avez pu voir, je suis mort. Je l'ai joué un peu de façon agressive. Mais il faut dire que j'ai à peu près pas eu d'aide. Il y a le Chieftain qui s'est pointé, qui est venu m'aider. Là. Mais pour le reste, le M60, quand il a dit l'ordre de venir m'aider, il a absolument même pas bougé. Puis la preuve, hey! Même pas le 2000, il a même pas fait 2500 de dommages. Le Scorpion, ça, on peut le comprendre qu'il n'ait pas fait, parce que le Scorpion, l'armement est beaucoup plus poche qu'un M60, là. Vraiment beaucoup plus poche. Mais, tu sais, quand il y a un équipier qui est dans le pétrin, là, tu sais, la moindre des choses, c'est de jouer en équipe, c'est ben, tu viens de l'aider. Le M60 n'a rien fait du tout. Fait que, c'est quand même un bon chasseur de char. Comme sniper, il est excellent, c'est le petit AMX. Il est vraiment excellent. Comme sniper, il est quand même assez précis. Là, je l'ai joué de façon agressive, mais vous pouvez le jouer des deux façons. Comme je l'ai joué, là, c'est sûr que je suis mort, là. Faut jouer de façon agressive, mais intelligente. Là, je me suis planté.
Puis vous pouvez le jouer aussi en mode sniper parce que le canon, il y a quand même un canon. Le canon il est quand même très assez précis, merci. Fait que ça, c'est un chasseur de charge que je vous recommande d'acheter présentement en fin de semaine parce que il est à 30% de rabais, puis il en vaut vraiment, vraiment la peine. Comme chasseur de char, si vous aimez les chasseurs de char. Fait que là-dessus, cheers tout le monde, on se revoit dans une prochaine vidéo.